Les livres d'heures constituent une source absolument fondamentale pour l'astrologie et pour le tarot. Le calendrier et compos des bergers est un livre d'heures. Et dans les livres d'heures, il y a aussi une iconographie des mois de l'année. Alors pour le tarot, j'ai montré dans un article qui est paru il y a quelques années dans la revue française d'histoire du livre, que toute la symbolique du tarot, enfin une partie de la symbolique du tarot, se retrouve dans l'iconographie du calendrier des bergers. C'est une sorte d'encyclopédie, les livres d'or étant une sorte d'encyclopédie en réalité. Et notamment la partie concernant l'enfer, où on voit la roue des condamnés, des damnés, on voit le diable, on voit la mort, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du zodiaque. Parce que les livres d'heures comportent donc un calendrier et avec une iconographie liée au mois de l'année et accessoirement au zodiaque. Mais ça, c'est rajouté. Et donc, moi, quand je pense à un livre d'heures, je pense notamment à un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les très riches heures du duc de Berry ». Et là, vous voyez qu'à la fin de l'année, il y a deux mois, les deux derniers mois d'ailleurs, je crois, novembre et décembre, qui sont marqués par le porc. D'un côté, au novembre, les porcs se nourrissent des glands que l'on fait tomber dans la forêt, ils creusent, c'est ce que font aussi les sangliers, et deuxièmement, on les égorge, on les crucifie, je dirais d'une certaine manière, puisque j'ai montré que la crucifixion ressemblait aussi à sa forme dont on dépèce le porc, dont on traite le porc, dont on enlève les différents morceaux. Il y a des iconographies qui ressemblent terriblement à une crucifixion. Alors la question que j'ai posée déjà il y a quelque temps, c'est pourquoi le porc avait disparu du zodiaque. Il y a deux mois marqués par le porc, novembre-décembre, et on ne trouve pas le porc dans le zodiaque. Mystère. D'ailleurs, de manière générale, l'automne est sinistré dans le zodiaque. L'aigle, normalement, qui devrait figurer, puisque c'est un des éléments du tétramorphe, face au lion, au taureau et au lion, à l'homme, il est remplacé par le scorpion. C'est un animal des pays chauds. Et le porc, ben, lui aussi, en fin de compte, on ne le trouve pas tellement dans les pays chauds non plus. Hein? Parce que c'est plutôt les ovins et les bovins. Et tout ça, ça nous indique quelque part que le zodiaque tel que nous connaissons, il s'origine d'une représentation des mois de l'année qui appartient plutôt aux pays tempérés. Et on aurait adapté cette iconographie des pays tempérés aux pays du Sud, aux pays du Moyen-Orient par exemple. D'où l'apparition du scorpion, qui est un animal du désert, et la disparition du cochon, du porc, du sanglier. Et c'est remplacé par quoi? Ben, c'est remplacé par le Sagittaire. Moi-même, je suis ici une Sagittaire. Le Sagittaire, c'est-à-dire l'archer, le centaure. Je vous rappelle quand même que dans les travaux d'Hercule, il y a un travail consacré au porc, les sangliers dérimantes. Je vous rappelle aussi que dans le zodiaque chinois, on parle du sanglier. Moi-même, je suis né sous le signe sanglier, tous les 12 ans, c'est comme ça. Donc là, il y a un problème historique et généalogique intéressant, à savoir que notre zodiaque, après tout, nous sommes en France, pourquoi ne pas raccorder notre zodiaque au texte d'origine? Pourquoi ne pas parler d'un signe du sanglier plutôt que d'un signe du sagittaire? Pourquoi ne pas parler d'un signe de l'aigle plutôt que du signe du scorpion? Alors vous me direz, ah oui, mais c'est comme ça en astronomie. Mais on n'est pas obligé de suivre l'astronomie telle qu'elle est devenue.
lorsqu'il y a une constellation de Sagittaire qui est comme ceci, comme cela, constellation de Scorpion, qu'il faut l'accepter en astrologie. L'astrologie, elle a un autre point de vue que l'astronomie. Elle a une autre feuille de route que l'astronomie. Donc, sur ce point, je propose signe de l'aigle à la place du signe du Scorpion. D'ailleurs, je vous renvoie à l'ouvrage de Volgin, le symbolisme de l'aigle. Parce qu'en plus, le Scorpion, c'est aussi l'archer, parce qu'on dit, on désignait, paraît-il, les archers comme des hommes scorpions, puisqu'ils sont, ils lancent un dard. Bon. Donc il faudrait quand même revoir tout ça, parce que c'est pas très sérieux. Il faut absolument réintégrer, il faut reconnecter le zodiaque avec son origine, et retrouver le rôle du porc dans ce genre de domaine. Alors il y a aussi d'autres questions qui se posent, l'interdiction du porc, justement, chez les musulmans et chez les hébreux, qui sont justement au départ des peuples d'Orient, des peuples du pays chaud. Eh bien, je suis désolé, mais il faut rétablir le zodiaque en le reconnectant avec sa source. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Et pas accepter des formes dévoyées et corrompues du zodiaque.